Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rikai et on se retrouve pour la suite du let's play en mode héritage avec la Castille. Donc, Portugais, en novembre, on lui déclare la guerre. On va améliorer nos relations avec d'autres pays voisins. La Bourgogne, ça peut être très bien d'ailleurs. Ça pourrait être drôle. C'est temporairement que la Bourgogne. Pour baiser la France. Ah, je sens bien ça, petit coup de pute. Ouais, marge royale, parce que si la Bourgogne explose et que j'ai marge royale, c'est moi qui gratte les terres qui sont ici. Par contre, l'union personnelle, ça fait un peu chier quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait de pouvoir bouffer la Navarre Ah, ça, j'ai l'activité assez con. On va pas faire ça. Il arrive quand ce couillon? 21 novembre. Allez gros toi. Déclaration de guerre. Bon, 12 moins 1. Rétablissement de l'union. On s'en fout. Et voilà, il y a le fort qui est pas maintenu. Donc on va dire. Voilà. Naples qui va prendre ceci. Parce que moi il me faut ce territoire là, donc on va essayer de gratter un ou deux territoires chez le pape. Cent quarante Gugus. Parfait. Explorateur, tu vas explorer un mec sur l'Atlantique d'abord pour finir la mer et après le continent. Putain de pirate. Vous allez nous gonfler les pirates longtemps ou pas là? Comment ça se passe en général avec vous? J'ai le même pouvoir que s'accumule. Ce sera parfait en cas de guerre contre la France. Pierre chevaux, graisse et froisse là à Naples. Elle n'a fait pas le con, hein. L'Aragon a exterminé les troupes portugaises, ce serait bien. Je peux massacrer ces 1000 glandus là. Excommunié? Ah, de par la France. Bon bah, c'est pas grave. Catholique, protestant, moi.
Mon dirigeant n'est pas au niveau 2, mince. C'est con. En tout cas, on a des professionnalismes qui montent, hein, c'est bien ça. Bon, j'aimerais bien que l'Aragon il ait tapé plutôt l'arrivée pour tout Huguet là. Allez, on a besoin de pognon, on taxe. Et au fait, là, le pape, vu que je perds des points. Faut champer avec le pape, mince. Ça, si je lui bloque ses provinces à celui-là. Pas besoin de toi, j'ai juste besoin que tu fasses. Que tu tapes une armée ennemie, toi. C'est tout. Parfait. On va rester ici pour piller un peu le bled, hein. En tout cas, c'est un peu de pognon. Autant que ce soit utile. Et au pire, s'il veut pas affronter l'armée. Si le pape veut... si on veut... l'Aragon veut pas affronter l'armée portugaise, il pourra au moins affronter les troupes pontificales. Je vais y aller. Du coup, ce con, il va partir. Il va dire, hop, non, il y a une armée ennemie, mais je m'en fous. Bien. En tout cas, maintenant, le Portugais qui est là. Et les 2000 hommes. Une fois que j'ai fumé son armée là, il sera plus une menace. Hein. Enfin, juste que je massacre ces 2000 hommes là. Et c'est là que ça ne peut plus recruter de troupes. Il n'y aura plus qu'à s'occuper de du pape. Et vous retombez. Bonne nouvelle. Ponce de Léon. Il est pas terrible, mais bon, mieux vaut lui que rien du tout. Le pape. Il est en guerre contre Venise en plus. Bonne nouvelle. Et ici, ben, le Saint-Empire, il faudra attendre que. Ben, faudra attendre en fait que l'Autriche ne soit plus l'empereur ou le Rome fantôme. C'est-à-dire les années 1490. 17 ans est bon. 17 ans, on attend de voir venir. Hein. Déjà, on va essayer de parier sur l'éclatement de la Bourgogne. Traite la France jusqu'en 74. C'est bien ça. Au pire, on s'allie avec la Bourgogne. On lui demande de déclarer la guerre avec la France, contre la France avec nous. Pas besoin de s'occuper de ça. Ah, il est mort? Non, on va mettre Latif Béar. Ce sera là assez suffisant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-ci, la dernière, et après, promis. On s'occupe de la tech. 526. Allez, allez, massacrez-moi ces. Prenez-moi Lisbonne, les gars. Oh, il faut commencer à bouger, à me casser les pieds et à dessiéger.
Une nation 4 sur 3000 en plus. Ils ont perdu plus de 1000 hommes avec le siège. Cette ville, c'est un charnier. Je rappelle l'époque où la Galice, c'est juste une seule province et pas quatre. Ça date un peu quand même, même beaucoup. Lui, il a 21%. Comment on parie que sa boutique dit oh non, je vais me casser? Il a de partir avant la fin du siège, hein, ce con. Hein. Ah, si. Il faut qu'il massacre ses 1000 hommes qui reprennent la province. Comme ça, ils seront tranquilles pour ne plus recruter de mercenaires. Parce que même si les troupes, même si les terres comme ça, ils peuvent recruter des mercenaires. Pour vous casser les pieds, vous savez. Hein. Ouais, voilà, les troupes du pape. Les indigènes. Juste. On a quel régime de colonisation? Putain, pourquoi t'as fait ça, Macrentor? Vaut mieux faire coexistence. Coexistence, t'as pas soulèvement d'indigènes. Naples. Oh putain, d'accord. Faut qu'on s'occupe de ça en plus. Faut qu'on s'occupe de ces 12 000 rebelles là. Administration, avant, on va voir. On gagnerait de la force aux nobles. On va quand même faire un peu. Bon, 756 jours pour prendre de Lisbonne quand même. Paye ta purge. Maintenant, faut s'occuper du pape. Je me fais ces 11 000 là. Et on va s'occuper du pape et des rebelles napolitains. Oh, c'est chiant ça. Faut arrêter de jouer au cache-cache, s'il vous plaît, les gars. Toi, tu vas m'explorer. C'est bon, ici, c'est déjà assez bien, hein. Mais il va où, lui? Il va se replier après comme ça? 28 avril, on va le massacrer, on va le sakoiper. Bon, c'est bon, plus trop portugaise, parfait. Donc maintenant s'occuper du pape. Et en faire mal avec l'Autriche. Ouais, tu vas faire quoi la Provençale? Tu vas taper le pape? Enfin, tu vas taper Avignon, j'espère. Non, le mec s'en fout, il va. Le mec, il y a une armée ennemie. Et non, non, je vais pas, je vais plutôt me prendre Rome. Putain de branleur. Tu pouvais taper les rebelles aussi? Nouvelle confession, allez, on s'en fout. Surtout moi, catholique protestant, vous savez, moi. Faut vite qu'on se grouille de le défoncer avant qu'il reprenne Avignon, par contre. C'est bon, il va quand même pas la reprendre. Il y a des fleuves partout. Avignon, c'est la merde, il y a des fleuves partout.
On va se mettre un peu de côté pour renflouer les troupes. Que vert, parfait. Alors, la mission, je veux voir une chose avec la mission. Il connaît un nouveau monde où Tenerife. On va l'envoyer ici et après on va se grouiller faire le nouveau monde. Mais il faut Tenerife pour réussir la mission. Massacre absolument ces troupes là. Ah, le pape va revenir vers Ferrare. Il a chien et française, fils de chien. Quel petit fils de sa maman là. Bon, au moins on se tapait dessus. Les Marocains, putain de maghrébin. J'ai même pas fait gaffe à ces cons. J'ai pas fait gaffe à ces glands, putain, je suis con! Je massacre ces glandus, puis je demande à Naples de reprendre sa capitale. Hors de question que Naples soit perdu. Bon, on a appris ça. Maintenant, c'est déjà assez bien, on va rentrer chez nous. Moins 7%. Le pape. Il va pas parce que on occuperait Umbria sans prendre la forteresse de Rome. Ah, il casse les pures, le Frenchie. Le problème, c'est que c'est l'armée française, c'est pas non plus une armée de pécor là. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que du jour vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.